Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing sur Shura de TGA. Ça fait un moment que je l'attendais parce que je fais partie de la vague entre guillemets de colis qui a pris 7 mois à arriver. Donc forcément, je pense que vous avez vu 36 fois la statue. Donc là, ça va vraiment être une petite vidéo. Voilà, pas grand chose à dire. Le packaging était bien, il n'y a pas eu de casse. La boîte, comme d'habitude, avec les surprises. La boîte du Capricorne en violette. Pas grand chose à dire, c'est bien, moi j'aime bien. Forcément, un peu le seum qu'elle soit arrivée super longtemps, mais ça change rien à la statue. Dans tous les cas, moi je vous laisse directement avec les zooms. On se trouve juste après pour mon avis. Et heureux tout le monde, donc voilà, j'espère que j'aurai pu montrer pièce bien comme il se doit. Pas grand chose à dire comme d'habitude parce que déjà vous l'avez vu plein de fois et que c'est un petit peu la même routine, c'est du TGA donc on a l'habitude, le sculpt est magnifique, le paint est franchement super beau, la tête est top franchement pour Shura parce que j'ai également une autre Shura de Immortal. Moi je trouvais la tête très très bien, non casquée, mais là la tête casquée par exemple je préfère celle de TGA tout simplement au niveau de l'expression du Shura. Voilà, bah le paint est beau comme d'habitude. J'aime beaucoup les poses avec le bras levé. Bon, c'est des poses quand même en vrai assez basiques au niveau du bras qui est comme ça pour Shura. Mais le fait d'avoir les deux bras quand il se tient comme ça, moi c'est pour ça que j'ai choisi cette pose. Ça change vraiment des Shura qu'on voit d'habitude où c'est toujours Excalibur. Donc j'étais très content par contre sur ça. Point à noter franchement. Du coup j'ai gardé cette pose aussi, tout simplement. Mais voilà les gars, bah j'ai rien d'autre en vrai à vous dire sur cette Shura parce que vous l'avez vu maintes et maintes fois. Elle est vraiment top, tout le monde en a parlé, j'en ai aussi parlé et débattu avec certains. Donc bah voilà les gars, c'était vraiment une nano vidéo que je vous mettrai du coup ce jour-là en bonus parce que vous avez choisi Tom et Jerry sur le dernier sondage. Mais j'ai aussi envie de vous mettre Shura, voilà, petit bonus sympathique. Écoutez, de toute façon, c'est vraiment une petite vidéo. Et d'ailleurs, une chose par contre à rajouter sur TGA, tout simplement, j'ai reçu le SAV de Icos, tout simplement le corps, parce que je sais que certains comme moi avaient reçu cassé. Donc bah voilà, très très bonne nouvelle, j'ai reçu mon corps. Je vous mets une petite photo, genre juste ici. Et voilà les gars, pas grand chose d'autre à vous dire, mais ça fait super plaisir au niveau du SAV. Bah ça a été suivi, voilà, emballé dans de la mousse noire. Non, franchement, très très bien, très très propre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour d'autres vidéos. Et puis voilà.